Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message. Vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, une belle parole ici dans Romains 15, 21, qui est pour nous tous aujourd'hui, dit ainsi l'Écriture, « Mais ainsi qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. » Il est en train de parler de ce peuple qui n'a même pas connu la loi de Moïse. Nous étions des païens. Non, nous n'avons pas entendu. Nous n'avons pas entendu, mais nous, alors qu'est-ce qui nous est arrivé depuis cette époque-là, hein, voilà. Tout simplement, nous croyons en lui, je veux dire, nous le comprenons, voyez. Et parfois, vous restez comme ça dans la vie, voyez. Pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas avec moi? Il parle, mais aujourd'hui, il parle par sa parole. C'est un autre système. La parole va croître devant vous en lisant la Bible ou en écoutant la prédication. Car si chaque jour vous lisez la Bible, chaque fois que possible, vous allez à l'église, écoutez la prédication. Au moment de la prédication, vous ne parlez à personne, hein. Si votre épouse, votre conjoint, alors vous ne restez pas avec lui comme ça, enlacé, non, faites attention, je veux dire, et vous allez être béni à ce moment-là, voilà. Regardons cette personne qui a été bénie, et je reviens juste après. Vous êtes heureuse, ma sœur? Vous êtes heureuse? Elle n'arrivait pas à se déplacer, elle avait des difficultés pour bouger, vous voyez? Mais maintenant, elle le peut. Et à présent, vous êtes guérie? Ah, c'est magnifique. Amen. À présent, je veux prier avec vous. Mon Dieu, merci bien, parce que nous, les païens, oui, nous n'avions pas de contact avec toi, mais quand nous avons compris alors l'Évangile, le Seigneur nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes à toi et voulons être à toi. Et Dieu, à présent, je vais bénir alors toutes ces personnes, je réprimande tout le mal qui est dans leur vie et je dis alors, sors de là, au nom de Jésus et Amen.